Ça me tue de me dire qu'on est arrivé un siècle trop tard pour découvrir des grandes civilisations sur Terre, et un siècle trop tôt pour en découvrir quelque part dans l'univers. Moi, je trouve que tu dramatises un peu quand même. Hein. Tu penses qu'on va avoir des extraterrestres ? Ah non, 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 ça c'est foutu. Dans un siècle, c'est Mad Max, hein, c'est pas Star Trek, hein. Faut arrêter. Hein. Non, par contre, les civilisations oubliées, ça, c'est possible encore. Ouais, tu crois ? Oui, carrément. T'as pas vu ce film, The Lost City of Z, là, c'est sur un explorateur anglais, Percy Fawcett. Le type est persuadé qu'il y a des grandes cités en Amazonie, il y va plusieurs fois pour essayer de prouver ça. Ah mais si, si, je l'ai vu, là, le truc avec le mec de Twilight en geek barbu du 19e, là. Ouais. Ouais, ça c'était pas trop ma came. Mais par contre, je suis allé voir les recherches et tout ça, c'est incroyable ce qu'on est en train de découvrir. Ouais, puis ça participe à l'espèce de changement de vision sur la forêt amazonienne, qu'on voyait avant comme un territoire vierge peuplé de bons sauvages, en fait, qui a été vraiment aménagé, avec des jardins, des cités, des peuplements de plusieurs dizaines de milliers de personnes. C'est dommage qu'il n'y ait pas plus de roches dans le bassin amazonien, au moins on aurait pu retrouver des grosses habitations, ah, ça on aime bien ça. Là, on retrouve quoi ? Les poubelles ? Ah non, mais les poubelles, c'est important, ça. L'archéologue, aujourd'hui, c'est ce qu'il regarde. Hein. C'est finalement, le meilleur moyen de découvrir quelqu'un, c'est regarder ce qu'il est en train de jeter. Tu veux dire qu'on est plus en train de produire des sources historiques que des déchets ? On produit plein. Hein. Ouais, non, c'est un peu triste. Tiens, on parle de tristesse à 3, le film 3. Ah non, tiens. Et bah, c'est bien, tu l'as pas vu, c'est tout pourri. Ah ouais ? Ouais. Oui. Non, non, mais bon, t'as Brad Pitt en Achille, à la rigueur, pourquoi pas ? C'est plutôt un bon choix de casting. Mais alors, par contre, Orlando Bloom Legolas là qui joue Paris, le mec claqué, je te jure. Ouais. Tu me diras, Paris c'est déjà bien à claquer dans le mythe quand même. Le mec kidnappe la belle Hélène, déclenche toute une guerre, il veut même pas aller la faire, il se fait bolosser par son frère Hector pour finir par sortir sur le champ de bataille, où il tue Achille sur un coup de bol. Ouais. Tu te dis. Après, retour de karma, il se prend une flèche aussi, lui, à la fin, quand même, je crois. Tu sais, il essaie d'aller se faire soigner chez sa femme qui lui dit bah non. Et puis il finit par mourir tout seul, de façon un peu pathétique. Mais attends, voilà. On n'a qu'à partir sur les traces de Troie. Ça, ce sera notre cité oubliée. Alors, Troie, c'est un mythe ou pas ? Non, tu crois qu'il y a une vraie ville, à Troie ? Alors, oui, Troie, c'est un mythe. Mais non, il n'y a pas de ville qui s'appelle Troie. En fait, ce qu'on appelle la ville de Troie, c'est d'abord un site archéologique, mais qui a usurpé ce nom. Parce que ce site archéologique, qui s'appelle aujourd'hui Hisarlik, c'est un lieu dit en Turquie, près des détroits, eh bien, est en fait un espace qui a été choisi à un moment donné par les Grecs pour être le lieu où se déroule en fait ce qui n'est fondamentalement qu'un récit mythique et qui n'a donc rien à voir avec l'histoire. C'était qui ? Thierry. Thierry Piel, c'est un habitué. Vous avez jamais vu ? Mmh. Il est historien à l'université, histoire antique. Ok. Il m'a raconté qu'à la fin d'un cours, une fois sur Babylone, il a sorti un ghetto blaster géant. Puis il a passé à fond Bonnie Anne, by the rivers of Babylon. Puis après, il y a plusieurs histoires. Il y en a une où il monte sur le bureau, il danse. Je sais pas trop laquelle croire. Hein. Okay. C'est un prof mythique pour le coup. Cool. Ouais. Bon, bah en tout cas, c'est génial parce que. Du coup, c'est clairement identifié, donc on n'a qu'à aller directement sur le site et on va bien trouver quelque chose quand même. Et non, vous ne trouverez rien du tout de ce genre. Le cheval de Troie fait partie aussi, bien évidemment, du mythe. Ce que vous allez trouver, c'est un très très ancien site archéologique qui a 3500 ans d'existence, puisqu'il a été fondé en 3000 avant Jésus-Christ, donc à l'âge du bronze ancien, et qu'il n'a été abandonné qu'au début du Moyen-Âge. Notez au passage, ceci dit, que ce site nous est connu qu'à partir du 7e siècle avant Jésus-Christ sous son vrai nom, Ilion, qui a donné bien sûr Iliade, le nom du poème bien sûr d'Homère. Avant, on a un site archéologique qu'on pourrait qualifier finalement de préhistorique, qui est un site très impressionnant, très important, mais qui en aucun cas ne saurait bien sûr correspondre à une quelconque ou à un quelconque passage, en tout cas, du récit homérique. Eh ben, on ira explorer des sites anonymes si on veut, si on peut. Il y aura des choses quand même à découvrir, même si c'est juste à l'origine d'un mythe. C'est déjà bien Indiana Jones-iesque, Indiana Jonesien. Moi, ce que j'ai compris, c'est qu'on va rien découvrir du tout. Enfin, attends, oui, tu as raison, Maxime. On va découvrir un cataplasme historique. On sera même les premiers à le découvrir. Les premiers. Certainement pas. On est déjà passé avant vous. 1870, Heinrich Schliemann, épicier, un port-export, allemand de son état, passionné par l'Iliade et l'Odyssée, qui voulait redécouvrir effectivement ce monde, dont il pensait que c'était un monde d'ailleurs réel. Alors il est parti en Méditerranée, et il a découvert plein de sites, Troie bien évidemment, mais d'autres également, comme Mycène, et il est probablement même à l'origine, il faut le dire, de la découverte du site de Knossos en Crète. Toute une série de civilisations, toutes datées de l'âge du bronze, c'est-à-dire 3e, 2e millénaire avant Jésus-Christ, dont on avait complètement perdu la trace. Donc merci Schliemann. Par contre, on repassera pour ce qui concerne bien sûr l'historicité. Rechercher en effet la guerre de Troie était une recherche vaine et de ce point de vue-là, on sait aujourd'hui que cette guerre de Troie n'a jamais eu lieu sur les sites ainsi exhumés.
Non, partez. Du coup, qu'est-ce qu'on en fait de l'Iliade? Moi, je le garde chez moi ou je le crame? C'est quoi? Et c'était une fake news? Homer, c'était un historien? C'était un mec? C'était un groupe de recherche? Ouais, un labo de recherche. Eh bien, il faut laisser Homer sa vraie part, celle d'un poète, d'un troubadour, qui naviguait d'une cour à l'autre, racontant aux aristocrates grecs de belles histoires, comme celle, bien sûr, dont il est question au travers des héros grecs et troyens qui émaillent l'histoire de l'Iliade et également de l'Odyssée. Pour le reste, bien sûr, il n'y a pas d'histoire à attendre, si ce n'est qu'en effet, de temps en temps dans le récit, on nous parle de quelques éléments, quelques objets bizarroïdes, dont on voit bien qu'ils ne sont pas de l'époque d'Homère, parce que ce dont parle Homère, c'est l'époque qu'il connaît, bien sûr, ce sont des gens de son temps. Alors cela vient probablement du fait que ces objets ont été découverts un peu par hasard, au hasard de trous qu'on faisait dans le sol, dans quelques vieilles tombes. Et n'oubliez pas, fondamentalement, que finalement, si toute cette histoire a trouvé un ancrage au nord-ouest de la Turquie, près du site d'Ilion, c'est probablement parce que les vestiges préhistoriques d'Ilion étaient encore là, et qu'on se disait, mais qui a pu construire de telles fortifications? Et ainsi est né le mythe. Ciao! Au revoir. Mais du coup, c'est chouette. C'est-à-dire que les Grecs, ils creusaient des trous, puis ils découvraient des colliers, des vases, et ils n'arrivaient pas à expliquer d'où ça venait, quoi. Ils avaient aussi des civilisations oubliées, en fait. C'est un petit peu comme quand tu te rends compte que Cléopâtre, elle est plus éloignée de la construction des pyramides que de nous. Ah ouais. C'est fou la profondeur du temps, quoi. Et puis à l'époque, quand tu découvrais quelque chose que tu comprenais pas, bah, c'était forcément un mythe. Avec des dieux, des héros... Ouais, c'est fou, partout dans le monde, parce que quand les Aztèques sont tombés sur Teotihuacan, les énormes pyramides là, qu'il y a au nord de Mexico, elles étaient déjà abandonnées depuis des siècles et des siècles. Et les mecs ont tout de suite dit, bon, bah, c'est des dieux qui l'ont construit, forcément. Aujourd'hui, c'est un peu plus scientifique, quoi. Ah, ou alors on dit que c'est à cause des extraterrestres. Ah putain, qu'est-ce que ça me saoule, ça. Les trois quarts des films de science-fiction commencent comme ça, maintenant. Entre Stargate, X-Men Apocalypse, Prometheus, il en fait des tonnes là-dessus. Ah, qu'est-ce que ça m'énerve. C'est que les gens confondent technologie et technique. Ils se disent, si t'as pas un tractopelle, tu peux rien construire. Mais regarde les sociétés mésoaméricaines, justement. Elles ont construit des trucs incroyables, alors qu'elles n'avaient pas d'animal de trait. Elles n'avaient pas d'outils en métal. Mais l'outil définitif, l'ultime outil, c'est le corps humain, la stratégie collective et la géométrie. Voilà, avec ça, déjà, tu fais un nombre de trucs. J'ai vu un Américain, il est en train de reproduire Stonehenge tout seul. Et il déplace des blocs de roches de plusieurs tonnes, tout seul. C'est juste la technique. On va explorer quoi, du coup? Bon, rien, moi j'ai pas une thune, donc je vais pas faire un HT man. Hein. Non, par contre, ce qu'on peut faire, on va creuser les trous, et puis on met des trucs dedans, et comme ça, dans un siècle, 1000 ans peut-être, et ben les types sauront pas trop ce que c'est, et ils feront des super histoires avec. Oh, putain, c'est génial. Ouais. Vas-y, on enterre un poulet, et on met des téléphones portables autour. Et après, ils essaieront d'expliquer une cosmogonie à partir de ça. Alors si on l'enterre juste à un endroit, personne va y croire. Il faudrait au moins en planter un peu partout quand même. Okay. Mais de façon un peu raisonnée pour imaginer une sorte de progression du phénomène. Ok, au fur et à mesure de la profondeur. Ouais. Ok. Alors toi tu t'occupes de l'hémisphère nord et moi je m'occupe de l'hémisphère sud. Je vais commencer par l'Antarctique, ils comprendront jamais. Ciao Max. Parce que je suis quand même à 2 600 000 viewers sur YouTube. Vous êtes encore loin de PewDiePie et ses 62 millions d'abonnés. Le saviez-vous, pour regarder tout YouTube, il vous faudra à peu près 3 600 ans.